Et yop le petit pote, c'est Braku, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le compte niveau 1 les gars. Donc le compte divin que voilà, j'ai amélioré aucune carte, enfin, j'ai juste amélioré les flèches au début, mais bon, il me sert plus maintenant. Voilà, donc on a un deck, j'ai full 4 légendaires, j'ai que 4 légendaires. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir et merci à tous ceux qui le feront. Et les gars, j'ai créé un petit clan les gars pour ceux qui veulent rejoindre les gars, qui s'appelle clan niveau 1, je ferai une description plus tard. Et puis voilà, donc on part sur la première game les gars, donc on a deux games, de base c'est l'arène 11. Ok, donc on tombe sur ce monsieur, que je ne vais pas prononcer son pseudo. Ok, on va mettre un prince sur le map, ok. Il met rien derrière, il la comprenne pas. Okay, on va mettre juste le pêcheur alors. Le prince au moins on va pas les tuer, ah il va tuer. Ok, ça me va. Je pense, oh oui, j'ai une belle toto du coup. Ça va tuer les bats en même temps, ah nickel. Tac, parfait. Ah moi le prince il charge hein. Ok, il charge pas du tout. On va mettre l'archer, parce que bon les gars au niveau 7 ça prend une tour. Ça c'est moi qui vous le dis ça. Ok, on a pris un coup, c'est pas dramatique. On met un team miners. Le monsieur est niveau 6 d'ailleurs, c'est un monsieur niveau 6. Alors comment il va défendre ça? Ok, le baby dragon, ouais. La Valkyrie, ouais. On va mettre juste un prince. Je dois rajouter un chasseur. Ok, go mettre un chasseur. Hop. J'espère qu'il a fait le taf. Oh, il va défoncer des vidéos. Ok. Normalement, il met un coup le chasseur. Nickel, parfait. Le MK, je pense qu'il va pas réussir à le défendre. En général, c'est mes trophées. Ah. Comment que j'ai fait me faire ma gueule. Hein. Bon, du coup, on va mettre un méga aussi. Un méga chevalier aussi. Là on va aller le pécho. Regardez, on va faire comme ça les gars. On va aller le pécho. Hop, on va mettre une armée squelette derrière. Et voilà. Hop. Et là son MK s'est fait défoncer. Et notre MK a quasiment pris 0 dégâts. Donc là on va mettre une belle tornade. Hop, on peut jeter les bats en plus, c'est pas magnifique. Et là les gars, on va aller prendre cette première tour assez facilement. Il suffisait un minimum d'utiliser son cerveau. On a un archer en plus pour aller trouver ses gargouilles. Et voilà. Parfait. Ok, le MK qui met de bons dommages. Hein. Le MK qui met de très très bons dommages sur la tour du roi. Il met une petite Valkyrie. Pourquoi pas, on va juste mettre un petit prince. On va aller dépop cette petite Valkyrie tranquillement. Voilà, parfait. On va mettre un chasseur sur le map tranquillement. Oh, il met MK au fond. D'accord. Ah oui. Lui, il n'en a rien à foutre. Ça se voit. Merde, j'ai raté. Ok, nickel. Et là, regardez, c'est le moment là où il a mal joué, c'est parce qu'en fait, il préfère mettre son MK en premier. C'est pas, en fait, quand les deux jouent MK, comme ça, c'est du coup, on est bas niveau. Donc, je vous donne un petit conseil, pour, si vous n'avez pas monté, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens à 3000 trophées. Mais si tous les deux vous avez MK, faut toujours jouer son MK en deuxième. Ok, on va mettre l'archer. Là, c'est le spam de l'infini. Nickel. J'espère qu'il va aller dépasser tout ça. Et on va aller prendre un premier 3 couronnes contre ce monsieur, les gars. Ça fait plaisir les gars. Voilà, donc on aura le petit palier avant les gars pour on fait plaisir. Hop, petit palier, tac 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 tac. Oh, on a débloqué les trucs de soins, ça c'est cool. Il ne servira jamais sur ce compte, donc ça tombe bien. Et on part sur cette deuxième game. On se retrouve dès que ça recommence. Ok, voilà les gars, on est. Ça y est, là on est, là c'est la game, faut pas la perdre, celle-là, faut pas la perdre, moi je vous dis. Ok. Donc attention, Artisti qui est niveau 7 et qui met des dragons de l'enfer artificiels. Oula. Ah oui. Ah oui, il en a rien à foutre. Ok. On va pas défendre l'Arti plus que ça, c'est pas dramatique. Là on va récupérer les legs, on va tourner MK. Ah merde, j'avais pas vu ça. Ah. C'est problématique, j'ai oublié le D2, il me défonçait. Oh ouais, le D2, oh ouais. Le D2, il a fait des bébés à ma. Il a fait des gosses à ma tour. Bon, on va spam. Et il a pas l'air de savoir bien jouer. Hein. Il a pas l'air de savoir du tout bien jouer. On va sent. Oh, il y a une armée squelette. Oh non, putain, c'est chiant. On va juste chercher fond de map tranquille. Hop, voilà, nickel. Qui va les défendre tous. Qui va les pop cette armée squelette ainsi que le D2. Et il me fait une value d'archer, moi ça me va, moi je dis pas non à ça. On va mettre la petite armée squelette évidemment.
pour aller défoncer des deux, parce que sinon on va en aller perdre la tour, parce qu'une tour niveau 1 c'est vraiment 0 dégâts, donc ok, bon, mais des flèches dans le vent, pourquoi pas. Bon, lui il remet un gun d'exir, il a lose. J'annonce, il remet un gun d'exir, il a perdu. Ok, bah ça me va. Tiens, donne-moi de l'élex s'il te plaît frérot. Merci. Ok, mais c'est vraiment un gros débile, hein. Non, un débile sévère. Hein. Regardez le MK, regardez le MK, il va faire une bouchée de l'armée squelette. En plus, on récupère 4 d'élex. Il perd 3, on gagne 4, moi ça me va. Ok, alors là, la technique. La technique, c'est tu ramènes ça sur le chasseur. Hop, tu mets ça en plus. Et tu mets un petit pêcheur. Hop, et voilà. Et là, normalement, la tour qui tombe. Peut-être pas direct comme ça, mais normalement, un mètre de bon dommage déjà pour commencer. Ah non, on a le miner. Hein. J'ai oublié qu'on a le miner. Bon, là, la technique, regarde ce qu'il faut faire. C'est tu mets le miner ici. Et tu mets un méga chevalier ici, le méga noir. Ah, c'est pas prévu qu'il se voit en Thaïlande, mon Mega Knight en fait. Même Tornade, tu vois ça, il y a tout qui se one shot. Oh, un squelette qui se one shot. Oh, c'est beau ça. Et là, on va aller mettre des dégâts avec l'archer magique. Nickel. Et on va aller prendre cette deuxième win. Et on passe niveau arène 11, les gars, ça fait plaisir. C'est bizarre, ça fait plaisir. Voilà les gars, on passe arène 11, ça fait sans plaisir les gars, on va se faire une autre petite game, on se retrouve dès que ça commence. Ah. Bon, la vie c'est bon. Ok, on tombe sur Felpi. Bah Golek mec. Ah ouais, lui il en a rien à foutre. Il aime bien jouer Golek, hein. Le Golek très populaire chez les arènes 11, moi ça me va, hein. C'est free win. Hop, on peut mettre le petit méga chevalier. Et là les gars, je peux vous le dire, il est dans la sauce. Là FLP, là il est pas bien, moi je vous le dis. Là on va les mettre, on va les prendre cette tour. On va même peut-être les prendre pour un instantanément. Ok, bah ça me va. Hop. Ok, les babards d'élite, pourquoi pas. On va les protéger, on va les rien protéger du tout. On va juste aller prendre 2-3 couronnes assez facilement les gars. Et on se retrouve dans la prochaine game, parce que celle-là a été rapide, à durer 50 secondes. Et voilà les gars, dans la prochaine game les gars, donc contre ce monsieur russe qui n'a pas de clan d'ailleurs. Et on va les mettre, on va aller à la petite pression, mineur à mes hop. On se prépare s'il y a des bats. Ok. Ah bah il joue pas, c'est cool ça. Ah. Bon, ce que je vois là, ils veulent pas que je tourne une vidéo le jeu, donc on se retrouve pour la prochaine. Et voilà les gars, on est sur le troisième game contre Omar 7 les gars. Donc j'ai pu faire une autre game juste avant parce que le gars avait encore rush kit, donc ça sert à rien que je vous la mette. Bref. Bon, en plus j'avais oublié de règle de base, donc j'avais lancé un peu trop tard. Ok, donc lui aussi on a strictement rien à foutre, hein, juste que l'armée, voilà nickel, l'armure du prince ténébré dégage. Et là notre MK qui va lui faire une value incroyable, et là on est prêt à tornade pour tout mettre. Ok, il a clairement fait de la D là, hein. Il a très clairement fait de la D, et on va les prendre normalement ce tour, hein. Là je peux limite les faire des pêcheurs N2, il m'a un chasseur, il a plus d'élex. Nickel, on va les mettre de bons dommages, on va mettre de l'archer magique pour aller gratter des dégâts sur la tour. Hop, notre archer normalement qui va aller mettre de bons dommages et qui va quasiment tuer le chasseur, si vous voulez plaisir. Et on a mis d'extrêmement bons dommages sur les deux. Excusez-moi les gars. Désolé les gars pour ce petit bruit. C'est qu'il y a des travaux, donc excusez-moi. Voilà, merci, c'est terminé. Excusez-moi les gars pour vos oreilles. Ok, on va aller détruire ce prince, ce sorcier. Je vais devoir ajouter un pêcheur malheureusement parce qu'il a un prince, c'était moins niveau que 6 malheureusement. Hop, nickel. Et je vais pouvoir aller mettre un mineur sur le placement anti-tornade et anti-tour du roi. Ah, il a cru qu'on jouait cimetière. Bon, vas-y, tranquille, on m'a marché. On risque de prendre pas mal de dommages.
Quoique, pas tant que ça en soi. Ah ouais, ça va, on a fait une bonne def, on égalise les tours, ça me va. Là, ce que je vous propose, c'est de partir en MK au corner, comme ça, regardez. Ah! Oh oui, nickel. Non! Oh oui, oh l'archer, bon, l'archer, nickel. Ouais, là, on est en train de l'exploser, là, mais d'une violence. Hop! Non, 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 on a juste à mettre tout au pont, les gars. Ok, nickel. On peut tout mettre ici, comme ça. Le prince, oh! L'archer qui se plaise, hein. L'archer, les gars, qui se fait plaisir. On va pas défendre, on va juste mettre un MK sur les barbares qui vont faire one shot. On va mettre la petite armée de squelettes et nickel. Et on va les prendre cette dernière win coupe au Marcel, les gars. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Contre un petit niveau 8, on l'a éclaté. Et du coup, on monte au final à 3400 trophées, les gars. Donc, on aura fait un plus 150. Ça fait plaisir, les gars. On va juste récupérer les petites récompenses de la petite test. Et les gars, on espère moins légendaire, les gars. On veut avoir une légendaire dans ce coffre. On s'en bat les couilles. On a malheureusement pas de légendaire. Ah, ça fout le seum. Ah, ça fout le seum. On va devoir attendre d'être ici pour avoir une petite légendaire, les gars. Au moment où cette vidéo sortira, donc demain 23, les gars, je live quasiment toute l'après-midi. Sur le compte niveau 1, on va essayer de monter à 4600 environ. On va essayer de monter le plus loin possible qu'on peut. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, la commenter, la partager. Et ciao.